Bonjour. Agnès, j'allons viser la nourriture et les opinions et j'allons apprendre à décrire les goûts. Es-tu prêt? Commençons. Écoute, répète. Les branques. La cola. La viande. Les frites. La guêche. Les légumes. Les sucres, les chocolats, la pizza, les riz, les jambons, les paysans. Les fromages, les tomates, les croissants, acheteurs, révisons les opinions. Now we're going to revise how to express opinions. J'aime bien. I like. J'aime hardy. I love. Je n'aime pas. I don't like. Je déteste. I hate. Now we're going to justify our opinions by adding tastes. Parce que, car, mean because. Écoute, répète les goûts. Now listen and repeat the tastes. Schna, un goût d'ervoisie. Schna a bon relais. C'est délicieux. C'est sucré. C'est malocsa. C'est gras. C'est doux. C'est salé. C'est pimenté. C'est bon pour la santé. C'est mauvais pour la santé. C'est nourrissant. D'autres goûts. Écoute, répète. C'est amer. C'est acide. C'est fade.
chez Épicet. Chez Enfantchi. Chez Frais. Chez Crème. Chez Pévre. Now you're going to put these food adjectives into the right list to say if they are describing something good, bon, something bad, mauvais, or neither, ni bon, ni mauvais. J'avons délicieux, malocsa, frais, gras, mauvais pour la santé, crème, sucré, pimenté, fade, enfantchi, salé, doux, amer. Décrire la nourriture. Now, look at the following words and work out the missing letter from each word. And then write down the English meaning next to each one. Yen. De, très, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Acheter complète la fiole de Trova. Écris une phrase pour chaque dessin. Write a sentence for each picture. Exemple. J'aime hardi la gorge car c'est sucré et doux.